Ceci est la première des trois scénettes qui vous sont présentées ce soir. Elles seront rejouées toutes les heures. Je suis le Stubhansel, et comme chaque année à la même période, je descends de ma tour de l'hôtel de ville pour vous raconter un passage de votre histoire dont je suis le témoin infatigable depuis plusieurs siècles. Nous sommes le 22 juillet de l'an 1789. L'ouragan révolutionnaire éclate, ouvrant en Europe l'ère des gouvernements démocratiques, hâtés par les revendications des philosophes et des économistes de l'époque. Les institutions de la France ne sont plus adaptées à la réalité. Les caisses de l'État sont constamment vides, les taxes pèsent lourdement sur la population, alors que la noblesse, qui ne paye presque rien, occupe les postes importants. Le peuple exige de plus de justice et un autre régime où le roi ne gouvernerait plus seul, mais où une assemblée constituée par les représentants de la nation participerait à la conduite des affaires. À l'heure qu'il est, comme tous les jours, les habitants du Forchtunnel, le faubourg extérieur de la ville de Benfeld et bouchant sur l'île, se consacrent à la pêche, qui reste leur activité principale. Sur les quais du Lothof, se croisent les bateliers qui transportent et commercent de nombreuses marchandises avec les villages et les moulins le long de l'île, entre Strasbourg et Colmar. Dépêche-toi donc, apporte-moi encore ce paquet de drap. Ah, qu'ils sont doux. Plutôt. Le père Germain a encore amélioré les métiers à tisser et fait maintenant les draps les plus doux de tout le secteur. Et moi, je les vends dans tous les villages tout au long de l'île et jusqu'à Célestat. Et malheureux, n'oublie pas les chaussures du savetier pour les habitants de Coyne. Ah oui. Et je les laisse. À cela, on fait un se met du. Vous avez remarqué, le niveau de l'eau a encore baissé depuis l'autre jour. Rien d'étonnant avec cette chaleur. Nous avons déjà eu une mauvaise récolte, la disette nous guette et le roi continue de vider les caisses du royaume. Tu es Gérard, c'est le bon Dieu qui nous punit avec tout ce qu'on entend. Ils s'entretuent, ils s'attaquent aux églises, ils les détruisent. Certaines sont même vendues aux enchères. Paraît-il que les paysans dans l'eau se sont aussi révoltés. Descendez-vous-vous-vous-vous. Tu parles, taquiner quelques nobles du royaume et vendre quelques biens de ces messieurs de l'église n'est certainement pas un péché mortel. Des beaux brochets, des carpes, des sauvres et quelques anguilles. Mon mari les a pêchés cette nuit. Tu, Marie, tu as de quoi faire une bonne matelote dans ta corbeille. C'est mon vostre comte, le Jeannot avec une barque bien remplie. Lui, il ne pêche pas que du poisson, mais il emporte tout ce qu'il trouve le long de l'île. Thank you.
Alors les jeunes, qu'est-ce que je vous sers? Du pain et du lait. Nous avons voyagé toute la nuit. Cela fait presque 24 heures que nous n'avons rien mangé. Comment cela, du pain et du lait? Ici, nous vendons du poisson de l'île et rien d'autre. Nous avons du brochet grillé, une soupe de poisson bien chaude et rien d'autre. Alors va pour une soupe, mais pas trop forte, s'il vous plaît. Vos, pas trop forte. Les poissons ont été pêchés cette nuit, tout est frais. Tiens, tiens, que faites-vous ici, jeunes hommes? Ah oui, nous sommes des citoyens de Strasbourg. Des citoyens de Strasbourg par ici? Nous voyageons le long de l'île, citoyens à Paris-Tard. Je suis Jean-Georges Müller, né à Schaffhouse, en Suisse, en 1760. Et voici mon ami, Jean-Baptiste Kléber, un Strasbourgeois et ancien sous-lieutenant de l'armée autrichienne. Il est actuellement le constructeur de l'hôpital Saint-Erhard de Thann. Enchanté. Mais tout cela n'explique pas votre présence dans notre ville. Citoyens à Paris-Tard, savez-vous que le peuple de Paris a pris les armes le 14 juillet? Les Parisiens voulaient éviter que les troupes royales entrent en force dans notre capitale pour mettre nos députés aux arrêts. En solidarité avec les citoyens de Paris, le peuple de Strasbourg a pris d'assaut l'hôtel de ville, hier, le 21 juillet 1789. Le combat était gagné d'avance, monsieur l'appariteur. D'heure en heure, le nombre des émeutiers grandissait et leur audace tout autant. L'officier et le détachement de cavalerie nous ont menacés verbalement, sans pour autant donner l'assaut. Je pense qu'ils cautionnaient notre action. Les magistrats ont pris la fuite par une porte arrière du bâtiment. Accompagnés des applaudissements de la foule, nous nous précipitâmes à l'intérieur de l'édifice. Ah, ce n'est pas possible! Vous avez saccagé le bel hôtel de ville de Strasbourg. Et bien sûr, vous faisiez partie des insurgés. Ne nous dénoncez pas, citoyens appariteurs. Le peuple de France aura bientôt tous les pouvoirs. Certains soldats nous ont déjà rejoints. Cela sera une chance pour nous tous. Citoyens appariteurs, considérez votre intérêt et celui des Benfeldois. La liberté, l'égalité et la fraternité sont maintenant à portée de main. Venez, les garçons révolutionnaires. Ces soldats n'ont pas besoin de vous torturer. Ils font déjà assez de mal comme cela. Oui, braves gens, sur l'ordre de notre bon roi Louis XVI, nous recherchons dans toute l'Alsace des révolutionnaires qui ont mis à sac l'hôtel de ville de Strasbourg le 21 juillet 1789. Si vous apercevez un de ces fugitifs, il est de votre devoir de le dénoncer aux autorités royales afin qu'il soit condamné par la justice du roi. Alors, monsieur l'appariteur, rien à nous signaler? Que voulez-vous que je vous signale? Toutes les provinces du royaume sont à feu et à sang. Que l'on arrête cette violence qui se répand sur notre pays. Il est de votre devoir de coopérer avec la garde royale. Ya, nous allons tout faire pour que la paix et la justice reviennent dans notre ville. Eh, vous deux, que me voulez-vous? N'avez-vous pas assez lorgné mes jupons? Voulez-vous que je fasse appel à mon mari? Excusez, nous cherchions... Et que cherchiez-vous? Ces messieurs les soldats ne faisaient que passer par là. Venez, nous allons prendre un pot de la Stube de notre ville. Oui, c'est bien cela, monsieur l'appariteur. On a failli y passer. La fatigue, la peur, cette infecte soupe aux poissons. Et maintenant les soldats. Je ne sais pas si nous pourrons faire notre révolution. Vos, où est passé votre enthousiasme? Yo debout, enfants de la patrie, les jours de gloire sont proches. La tyrannie a levé contre nous son étendard sanglant. Partout autour de nous, les soldats féroces mugissent et entrent dans nos maisons pour égorger les nôtres. Hop, prenez vos armes, citoyens, formez des bataillons, mettez-vous en marche pour que le sang des ennemis se répande dans nos champs. Vous avez raison, Marie. Vos paroles sont pleines de bravoure. Elles nous ont redonné la force de continuer, bien plus que cette soupe de vase. Hop, Jean-Georges, hâtons-nous. Notre quête continue.
Confédération est propre à redonner du courage au peuple. J'y adhère sans concession. Ah, vous êtes encore là, monsieur? Mais qui êtes-vous? Je ne vous ai jamais vu ici. Excusez-moi, Marie, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Claude-Joseph Bouget de Lille. Je suis de passage dans votre ville. Je vais rejoindre mon ami Philippe-Frédéric Dietrich à Strasbourg. L'histoire était en marche. Les jours du roi de France lui-même étaient comptés. Durant cet été 1798, toute l'Alsace est marquée par des agitations parfois cruelles dues à un trop-plein de mécontentement accumulé durant tant d'années par le peuple de France. Incognito, les deux jeunes gens ont réussi à quitter la ville pour rejoindre les insurgés. Ils iront au bout de leur engagement. Jean-Georges Muller fit tout son possible pour que Benfeld de Vienne, de 1790 à 1792 avec Strasbourg, Wissembourg et Haguenau, le siège d'un des quatre districts du Bas-Rhin. Il s'installera rapidement dans notre ville, d'abord pour épouser Marie-Thérèse Rigert, puis il occupera le poste de maire de la République à Benfeld entre 1799 et 1812. Jean-Baptiste Kléber, quant à lui, se réengagera en 1792. Dans l'armée du Rhin et s'illustrera dans la défense de la forteresse de Mayence. Plus tard, il devient l'un des principaux généraux de Bonaparte durant la campagne d'Égypte. Il repose dans un caveau de sa ville natale, en dessous d'une place de Strasbourg qui porte encore aujourd'hui son nom.